Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Poedji 134. Donc là je vais vous faire un glitch solo pour gagner environ 1 500 000 en 10 minutes. Donc la méthode elle fonctionne pas à tous les coups. Donc croyez pas que c'est patché ou quoi que ce soit. Il faut insister. Quand ça sera patché on vous le dira les gars. Vraiment ça se verra. Donc la méthode elle est simple, déjà elle est solo. Il va vous falloir au moins 6 emplacements dans les garages. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous avez la vidéo pour avoir l'insurgent pick-up armé et custom dans son garage. Donc pour avoir tous les véhicules de livraison de Bunker, PDG, Motard. Livraison et réapprovisionnement. Sauf le Marshall, parce qu'il est blacklisté. Ensuite, vous avez le braquage. Comment avoir l'hélicoptère ou moto. Donc, vous l'avez la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la referai encore plus propre, le plus tôt possible. Donc là, c'est simple. Vous allez en mode online. Au pire, vous allez jouer une activité, donc fléchette. Ou au pire, acheter un véhicule. Donc, il vous faudra une activité dans votre profil. Donc là, vous voyez, je vais dans profil. Ici, là, profil, activité récente. Et il faudra cliquer sur... Par exemple, nouveau véhicule, d'accord? Donc là, je clique une fois dessus. Je fais PS et je reviens dans le jeu. Comme ça, quand je serai dans le jeu, je ferai deux fois PS et j'arriverai direct dans le menu, d'accord? Donc là, je vous fais un exemple, deux fois PS. Et j'arrive direct dans le menu. Et à un moment, quand je me serai suicidé, je ferai ça, lancer GTA Online. Donc là, quand vous sortez de là, vous faites PS et vous revenez dans le jeu. Donc là, je vous explique. Là, je viens de le faire. Donc vous gagnerez la somme qui sera en vert là sur le côté. Donc là, je vais acheter des appartements pas chers. Donc c'est simple, je vais dans Dynasty 8, voir la liste des propriétés haut de gamme, 300. D'accord. Donc là, j'achète les moins chers. Moi, j'ai besoin de garage 10 places parce que mes garages sont pleins. Donc vous pouvez acheter encore les moins chers, les 2 places ou peu importe. Donc là, hop, acheter propriété et vous achetez un emplacement 4, 5, 6 seulement. Donc l'emplacement 4, hop, vous voyez là, j'ai gagné 450 000. Là, j'achète encore un. Là, emplacement 5. Là, j'ai gagné 340 000. Et emplacement 6. J'ai gagné 372 000. D'accord? Donc, vous fera ça à chaque fois. Voilà. Vous pouvez gagner même plus hein, si vous achetez les 2 places. Vous achetez vraiment le moins cher. Voilà. Donc ensuite, dès que vous avez fait ça, il vous suffit d'aller en mode histoire. Peu importe le personnage, ça marchera avec tous. Donc profitez, c'est un after patch. Pour tous les joueurs, tous les levels, tout le monde peut le faire. Donc profitez-en, il ne va pas durer longtemps. Je vous le dis, il va être patché vite fait. Voilà, une fois que vous êtes en mode histoire, vous allez faire pavé tactile.
pavé tactile pour avoir le menu. Et vous allez dans mode réalisateur. Une fois que vous êtes dans ce mode réalisateur, vous allez démarrer le mode réalisateur, accéder au mode réalisateur. Ok. Une fois que vous êtes ici, vous mettez une bombe collante ici. Donc là, je vais recommencer. Vous vérifiez maintenant dans votre profil. D'accord. Vous allez aller à activité récente. Cliquez activité récente. Je vais faire acheter un nouveau véhicule ou fléchette ou peu importe. D'accord. Vous allez cliquer sur ça. Et là, c'est bon. D'accord. Donc là, je fais PS pour revenir dans le jeu. PS, X. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, d'accord. Là, je vais me suicider. Dès que je touche le sol, il va falloir trouver un bon timing. Le timing, il est différent pour à certains moments et pour certains joueurs. Donc, des fois, c'est dès qu'il est en l'air, qu'il a explosé, qu'il est en l'air. Des fois, c'est dès qu'il touche le sol. Des fois, c'est quand il y a l'écran marron. Ou ça peut être dans l'écran noir. Donc, vous choisirez votre timing. Il faudra faire des tests. Donc, moi, je vais le faire dès que je touche le sol. Donc là, je vais me suicider. Dès que je touche le sol, j'ai fait deux fois PS. Et je lance GTA dans l'activité et je spam X. D'accord? Allez, je commence. Deux fois PS. Là, je vais faire quatre fois flèche, lancer GTA Online et je spam X. Là, je vais me retrouver en mode online. Je n'ai plus qu'une petite vérification à faire pour voir si je suis bien bugué, pour ne pas gaspiller d'argent. Donc je vais aller dans les BMX, je vais acheter un BMX. Si l'argent est débité, il va falloir que je recommence. Donc là, vous pouvez voir, en 8 ou 9 minutes, déjà, vous avez fait une manip à 1 500 000. Donc ça rapporte vraiment beaucoup. Profitez-en, vous pouvez vous acheter tout dans le jeu, le bunker, etc. Ça bug un peu, c'est normal. Donc là, les gars, je suis de retour sur GTA Online. Je vais vérifier si je suis bien bugué, d'accord. Donc en même temps, je vais pouvoir faire une recherche. Si je suis bugué, vous voyez, j'ai un petit peu de recherche. Je pourrais faire une recherche gratuite. Donc c'est quand même 220 000 et la recherche. Donc là, pour vérifier si je suis bien bugué, je vais dans voyage et transport, pédale à métal, j'achète un vélo, commander. Je le mets n'importe où. Voilà. Donc vous voyez là. Là, je ne suis pas débité de l'argent. Donc c'est bon. Si vous êtes débité de cet argent, vous recommencez la manipulation qu'on vient de faire. Donc là, je suis bon. Ok. Donc je vais aller dans les appartements. Là, Dynasty 8. Hop, hop. Je vais le mettre haut de gamme. D'accord. Donc là, je vais acheter celui-là.
vais changer l'emplacement 4, 5, 6. Hologramme, décroissant. J'achète celui-là à 900 000 et à 1 million. Donc j'ai eu un petit bug avec la vidéo, donc j'avais acheté déjà celui-là, d'accord ? Faut acheter celui-là et celui-là. Donc là, on fait retour. Je vais me mettre en PDG. Donc regardez l'argent que j'ai. Donc là, ça va coûter 200 000. On va compter les 200 000 qui me restent. Il me reste 717 000. D'accord? 717 000. Donc là, je m'assois. Je vais dans l'ordinateur. Je fais recherche. Hop. Hop. D'accord? Donc là, j'ai investi 200 000, on va dire. Hein. Donc 717 000, ça n'a pas été débité. Ouais. Donc après, on vérifiera si on l'a, boum, en revenant. On va le revérifier ensemble, parce que je ne suis pas certain, mais normalement, ça marche. Donc maintenant, j'ai acheté des appartements. Je fais PSport, fermez l'application. Donc cette méthode là, vous ne pourrez pas retourner en ligne si vous ne faites pas ça. Donc là, je clique sur démarrer. Et après la femme là, il va y avoir un écran noir, je vais spammer L1 R1. Donc maintenant je spamme L1 R1. Vous spammez, vous cliquez, là c'est bon. Donc il va vous falloir que Rockstar vous présente le recalibrage. Juste après cet écran, donc vous voyez là, calibrage luminosité, ça veut dire que c'est bon, vous avez bien spammé, vous pouvez retourner en ligne. Donc là je mets à fond, ils vont m'en ramener dans l'histoire. Voilà, une fois que vous êtes en ligne, il vous suffit de retourner en ligne. Donc flèche du bas, on retourne en ligne, on va aller vendre les appartements comme on a acheté. Donc Rockstar va vous faire signer cette politique. Là, vous avez juste à cliquer là, la flèche, envoyer. Allez les gars, abonnez-vous, soutenez la page. Rejoignez-nous sur Facebook. Sur Facebook, on a un groupe. Donc au moins, vous aurez les vidéos, les notifications des vidéos très rapidement. Parce que Rockstar patch très vite les glitches. Il faut que vous en profitez rapidement.
Donc vous voyez, hein, mon petit verre de matière première, il n'est pas revenu. Donc c'est peut-être bon signe, là, moi, je pense. À mon avis, c'est bon signe. Donc là, vous allez dans les appartements. On va aller racheter les appartements pas chers. Voilà. Donc là, je vais dans haut de gamme. Parce que moi, j'ai besoin de 10 places, hein, vous n'êtes pas obligé. Acheter des 2 places, encore mieux, il y en a 30 000. Donc haut de gamme, bam, j'achète celui-là. Donc là, vous voyez, j'achète à cet emplacement-là, emplacement 3, 400 000. J'achète celui-là. Emplacement 5. Et j'achète celui-là, à l'emplacement 6. Encore 340 000, d'accord. Donc je vais vérifier avec vous. Donc là, on a acheté les appartements pas chers, d'accord. Et on s'est fait l'argent, on s'est fait 1 400 000. Je vais aller là. Donc rappelez-vous, c'était la recherche boom. Maintenant, c'est que vous sert. Je m'assois. Je vais dans l'ordinateur, recherche, élément débloqué. Non, vous voyez, donc boom, n'a pas marché. Donc j'ai perdu ma recherche. Voilà, donc là on est au courant que ça marche pas pour l'émission de recherche. Ok, c'est pas grave. Donc là, maintenant, je suis allé acheter les appartements pas chers. Je retourne en mode histoire. On va le refaire encore une fois ensemble. Donc comme j'ai rien fait d'autre, mon menu il est prêt, d'accord. Je vous remontrerai quand même. Donc là, je vois avec Trevor, je fais pavé tactile, là, le gros bouton au-dessus des joysticks. Mode réalisateur, je le lance. Donc là, je me retrouve dans le mode réalisateur. Je vais aller à accéder au mode réalisateur. Donc si vous avez enchaîné, ça sera prêt, mais pour ceux qui n'ont pas compris, il va falloir faire PS léger, aller dans son profil, donc trouver une activité ou fléchette ou avoir acheter un véhicule, peu importe. Donc dans une activité récente, d'accord. Je clique dessus. Voilà. Et là, j'appuie. Je ne fais pas rond pour reculer. Je fais PS. Je reviens dans le jeu. Là, je jette une bombe collante. Dès que je me suicide, je vais faire 2 fois PS. Regardez, quand je fais 2 fois PS, hop, ça me met dans le menu que je viens de préparer. D'accord. Donc là, pour revenir PS, je clique dans le jeu. Jeter une bombe collante. Au moment de toucher le sol, ou des fois quand vous êtes complètement en l'air, suivant votre connexion, il faudra faire des trucs différents pour être bugué le plus rapidement possible. Donc là, je fais flèche, PS. Ouais. Dès que j'ai touché le sol, moi, ça marche bien. Là, je fais rapidement lancer GTA Online et je spam X. Boum. Vous voyez, un petit bug. Donc là, je vais me retrouver en online. On va vérifier si on est bien bugué.
On va acheter une BMX. Ah, je marche un peu, oh, j'aime bien cette pièce, moi je préfère. Je sors mon téléphone, je vais dans voyage et transport, je vais sur pédale and metal, j'achète le BMX n'importe où, peu importe. Voilà, ouais, ça n'a pas débité l'argent, d'accord, ok, ça a marché deux fois d'affilée. Des fois ça peut vous arriver que ça marche pas, hein. Je vous le dis, mais moi je faille beaucoup. Mais une fois que vous avez votre méthode, ne la lâchez pas. Allez, donc là maintenant je suis bugué, je vais aller acheter les appartements les plus chers. Hop, choisir, bim, bam, j'achète l'emplacement 4, boum, retour, je reprends celui à 900 000, bim, bam, boum. Retour, et celui-là de 985 000, bim, bam, boum, voilà, donc là j'ai acheté ça, je vais retourner dans le jeu, je vais marcher un petit peu quand même, de manière que ça sauvegarde, faut pas trop partir, faire ça trop vite, faites ça bien, je marche un peu, je fais PS Sport, fermer l'application. Et là, ce qui va être important, c'est de spammer dans l'écran noir, spammer L1, R1 pour avoir le recalibrage. Donc là, je relance, il y a la femme. Et juste après ça, il y aura un écran noir et vous spammez L1, R1. Vous cliquez, vous lâchez, vous cliquez, vous lâchez. Là, je clique, je lâche. Vous pouvez entendre. Donc là, je spamme. Voilà, jusqu'à maintenant c'est bon. Là j'ai pu arrêter de spammer et j'attends qu'il me propose le recalibrage de la luminosité. Si vous avez le calibrage, c'est bon. Sinon, fermez l'application, recommencez. Là je recalibre, je mets à fond. Hop, X. Donc là je suis obligé de retourner en histoire. Voilà, de retour en mode histoire, je fais flèche du bas, online. Voilà, la Rockstar me fait signer une politique en ligne, je mets la flèche, envoyer.
Donc voilà, de retour en mode online, débugué. Donc il va falloir que je rachète les appartements les moins chers cette fois. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a aucune vérification à faire. Hein. Là, vous allez là. Hop là, haut de gamme, moi pour moi. Parce que je veux des garages 10 places. Je ne me sens pas de perdre tous mes véhicules. Donc là, j'achète propriété la moins chère à l'emplacement 4, vous voyez, 500 000. Donc là, j'ai gagné 430 000. Là, j'ai gagné 317 000. Et là, j'ai gagné 380 000. Voilà. Donc, mes appartements pas chers sont achetés. J'ai plus qu'à retourner en mode histoire et recommencer le bug de l'éditeur. Sur ce, les gars, je vous laisse tranquille. Je vous fais une grosse bise. Abonnez-vous, un petit pouce, un petit commentaire. Soutenez, les gars. Ça fait trop plaisir. Donc, on commence à être pas mal dans la communauté. J'espère vous faire des bons lives bientôt et des nouveaux glitchs. Donc il y a des glitchs en préparation. Restez à l'affût. Restez à l'affût pour ceux qui veulent de l'argent. Bon, je vous dis ciao. Merci d'être sur la chaîne Freddy 134. Parlez-en à vos amis, les gars. Ciao, ciao tout le monde.